Muy bien, muchas gracias a Marina, muchas gracias Gerardo. Vamos a entrar entonces en las dos actividades que teníamos previstas para esta mañana. La idea era también que además de las charlas podamos hacer una pequeña muestra de lo que son nuestras universidades participando del proyecto, porque no todos los participantes conocen, inclusive estamos, un océano nos separa geográficamente, y que conozcamos un poquito nuestras casas, y el trabajo de nuestras casas hacia adentro. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, les voy a compartir en el chat un vinculito de un pequeño video institucional que demora 4 minutos, que lo pueden, los invito a que lo miren después de las charlas, para no ocupar el espacio de la conferencia ahora, y ahí hay una síntesis de lo que es la Universidad de Rosario. Así que ahora les voy a compartir en el chat ese vínculo para que lo tengan ustedes disponible. Y ahora sí, entonces, paso la palabra al doctor Javier Crespo, que va a dar su ponencia en nombre de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Hugo, por pasarme la palabra. Les voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien, como primera medida, agradezco a las autoridades de la facultad que me han dado esta misión de poder expresar, de poder enseñar, de poder mostrar lo que estamos haciendo desde la facultad. Así que hoy les voy a hablar de lo que estamos haciendo precisamente en lo que es agroecología. Estamos en etapas tempranas de unos experimentos, entonces tenemos mucho por avanzar todavía, pero al menos poderles mostrar nuestras primeras experiencias en todo este nuevo tema, que es muy rico y muy diverso, y que nosotros lo hemos tratado de abarcar en la mayoría de lo que el tiempo nos permite. Así que ahí vamos con algunas primeros resultados que podemos mostrar. Como primera medida, así como dijo Hugo, de que un océano nos separa, trato de ubicarlos a los que nos están viendo y escuchando. Bueno, nosotros, Argentina, ustedes saben dónde estamos en el sur del Cono Sur. Estamos centrados en esta región, la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. La facultad está en el cuadro, en el cuadro aquí inferior, en esta área. Marco esta área porque aquí también tenemos otro experimento grande al cual me voy a referir. Este se llama el módulo de investigación y demostración en transición agroecológica. Está localizado en la provincia de Entre Ríos, cerca de la ciudad de Seguí, como a unos 150 kilómetros de la ciudad cabecera de la provincia, que es la ciudad de Paraná. El segundo experimento al cual me voy a referir más adelante es el proyecto institucional, que está localizado en el campo experimental de la facultad y se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad cabecera de la provincia, que es la ciudad de Rosario, la ciudad más importante. El Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas, nosotros lo denominamos SIPA, en transición agroecológica, está localizado dentro de lo que es el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es el proyecto institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Está en una zona periurbana, está próxima a lo que es la ciudad de Zavalla. Eso le da un carácter particular, importante, porque hay restricciones en cuanto al uso de agroquímicos principalmente. Entonces eso le da un carácter particular. Tiene aproximadamente 14 hectáreas, que está subdividido en diferentes tipos de producciones, que los vamos a ver más adelante. Básicamente es agricultura y forestación. Y tiene un triple propósito.
tiene un propósito de investigación para generar conocimientos, tiene un propósito académico y de enseñanza. Allí adentro trabajan usualmente con los profesores, muchos estudiantes que están haciendo las prácticas preprofesionales, algún par de años antes de egresar con el título de ingeniero agrónomo. Y después tiene el tercer objetivo, es el de extensión, es el de poder mostrar, no solamente con documentos en un congreso o en una revista, sino también mostrar dar una visión directa de aquel que quiera asistir, de que pueda asistir, a qué se está haciendo, a mostrar qué estamos haciendo dentro de la facultad. Hoy el CIPA tiene un área silvopastoril que está reorganizándose. El CIPA comenzó en el año 2017. A lo largo de este tiempo hemos tenido varios cambios, por supuesto propios de las circunstancias, del reacomodamiento, de que vamos aprendiendo con el día a día. Eso nos llevó a que hoy el silvopastoril está instalado, pero está en un proceso de reorganización, con cambio de plantas, con cambio de la estructura general, incorporación de personas que están interesadas en la temática y quieren involucrarse. En la parte agrícola, aquí tenemos cuatro tratamientos. Está el tratamiento A, el B y el C, que tienen diferente rotación. El A y el B tienen cultivos de cobertura entre cultivos de verano. El C tiene un tratamiento, tiene un cultivo de trigo en el invierno entre dos cultivos de verano y luego una vis incorporada previo al maíz como un cultivo que aporta nitrógeno. Y a estos tres tratamientos los contrastamos, los comparamos con lo que sería un tratamiento extremo, si se quiere, en cuanto al uso de agroquímicos, que es dos cultivos de verano, en este caso soja, con un barbecho químico en el medio. Pero como le decía anteriormente, que esto se reformula casi constantemente en base a las experiencias, en base a lo que vamos aprendiendo del sistema. Entonces, por ejemplo, este año, en vez de un barbecho químico, vamos a tener un trigo en el invierno. Entonces, si bien aquí dice barbecho, pero esto es como veníamos hasta hace algunos meses, se ha cambiado esto y acá va a haber un trigo, entonces va a ser una rotación con trigo, soja de segunda, barbecho químico, y ahí sí volvemos quizás a soja o quizás a maíz. Pero esto es parte de la dinámica del proyecto, parte de la dinámica del ensayo, del experimento, que nos hace a veces repensar qué es lo que necesitamos, ir para atrás, repensar y volver hacia adelante con nuevas propuestas. Desde hace algunos años también tenemos lo que llamamos el borde de biodiversidad. En el 2017 se instalaron los bordes de biodiversidad solamente en el perímetro del ensayo y luego, a través de los años, se fue repensando nuevamente la idea y se incorporó una división entre lo que era el tratamiento estándar, el tratamiento actual, con los otros tratamientos. El foco del CIPA hoy es el suelo, las malezas, los insectos y evaluar la parte económica, la parte de rentabilidad. Esto ha sido la parte quizás más difícil del sistema porque todos estos cambios que yo les comentaba anteriormente hacen difícil evaluar la parte económica. También la parte económica en la transición es difícil de evaluar. Y aparte, desde el inicio del CIPA hasta estos días, hemos tenido que estar constantemente incorporando sistemas, incorporando distintos ítems dentro del sistema, como por ejemplo el sistema silvopastoril. Entonces, hoy por hoy, evaluar la rentabilidad y más aún mostrarle un resultado positivo de esto es muy difícil. Entonces, me voy a centrar en los otros tres aspectos que son lo que podemos mostrar con resultados concretos y la rentabilidad, la campaña actual no está terminada, entonces la vamos a dejar en stand-by hasta poder mostrar un resultado que realmente esté organizado y sea concreto. Las actividades que hoy se han llevado a cabo, hasta hoy se han llevado en el CIPA son variadas. Se han hecho el monitoreo de malezas y de insectos, el monitoreo de malezas en particular, va por el tercer año, casi desde su inicio lo hemos podido realizar, y esperamos tener un tercer año ahora en julio,
bien terminados para conocer y para saber qué malezas tenemos. También se ha podido hacer un muestreo de suelo para el banco de semillas, lo cual está directamente relacionado al monitoreo de malezas en superficie. Y eso también está bastante avanzado y yo presentaré algún resultado más adelante. Hemos podido hacer el muestreo de biomasa, tanto de los cultivos de cobertura como de malezas, lo cual es muy importante para saber cuál es el efecto de uno sobre el otro. También dentro de los muestreos de suelo se han podido llevar a cabo muestreos de análisis químicos y de contenido de agua. También se han hecho las estimaciones de rendimiento de los cultivos de grano y también se han hecho estimaciones de compactación de suelo bajo los diferentes tratamientos. Vamos a algunos resultados. Yo les presento aquí algunas publicaciones que se han podido hacer, son simplemente algunas. Hay muchas publicaciones que hemos podido llevar a cabo. Simplemente les voy a presentar algunas de las que yo creo que son las más significativas del CIPA. Se ha podido evaluar la degradación de la biomasa aérea del cultivo de cobertura luego de la supresión de su crecimiento. Aquí tenemos dos escenarios. Uno es el CIPA, otro es el de un productor agropecuario por fuera del CIPA. Y acá mostramos cómo varía la biomasa del cultivo de cobertura luego de su terminación en este punto con el correr del tiempo. En el CIPA vemos que tuvimos, para este año en particular, el 2018, tuvimos una alta producción de materia seca de vicia, de triticale, perdón, y también una muy buena producción de materia seca de la vicia. Ambas se fueron descomponiendo en el tiempo. Cuando vamos al productor, que no está tan lejos de lo que es la facultad o de lo que es el CIPA, pero vemos que la dinámica fue otra. El triticale, aquí perdí la flecha, aquí, el triticale tuvo una producción muy menor a la que tuvo el CIPA, y la vicia fue un poco mayor, pero ustedes ven que las producciones fueron bastante diferentes que las que tuvo el CIPA, incluso cuando el productor no estaba, estaba en la región, estaba cerca. Y la tasa de descomposición fueron bastante diferentes. Aquí pasamos de una producción de casi 11.000 kilos de materia seca a una producción entre octubre y abril de 4.000 kilos de materia seca. Y aquí se observan que los valores fueron inversos, que la vicia siempre estuvo por encima del triticale. Esto simplemente para mostrar algún resultado, y en la foto se ve que luego de la terminación del cultivo de vicia hubo un rebrote importante de la vicia. Esto muestra la dificultad para terminar la vicia, y aquí tenemos una foto posterior al cultivo en la cual la vicia se ve bastante seca y controlada y terminada, pero luego se origina este rebrote. Después también pudimos evaluar, en función de algunos datos obtenidos en el CIPA, lo que respecta al aporte de carbono por los cultivos de cobertura. Simplemente, a modo de ejemplificador, evaluamos mediante un modelo de simulación qué es lo que ocurre cuando tenemos cultivos de cobertura y qué es lo que ocurre cuando no los tenemos los cultivos de cobertura. Sin cultivos de cobertura, en una rotación hipotética de 10 años, de 2 y de 10 años, vemos que el sistema actual tiende a perder carbono en un valor bastante significativo. Llegamos hasta casi el 14% de pérdida de carbono. Ahora, el modelo de simulación, cuando le incluimos los cultivos de cobertura, con datos así acá obtenidos desde el CIPA, vemos que tenemos pequeñas ganancias de carbono a los 2 años, y tenemos una mejora significativa en el nivel de carbono hacia los 10 años. Si ustedes comparan la pérdida con la ganancia, es realmente significativo. Es un casi un 4% de aumento del contenido de carbono, es importante. Lo importante de esto es que nosotros podemos comparar acá con datos del CIPA obtenidos a partir de valores de biomasa, tanto del tratamiento testigo como de los tratamientos con cultivo de cobertura, cuál es el incremento que nosotros podemos producir en carbono con simplemente la inclusión de cultivos de cobertura. Y acá simplemente una foto ilustrativa de lo que es el tratamiento B y C, donde tenemos el triticale,
y donde tenemos un trigo, el triticale siempre es un ciclo más corto y más avanzado, pero ustedes ven la diferencia en altura y eso redunda sin lugar a dudas en biomasa y en contenido de carbono que le estamos aportando a los suelos. Aquí cuando pasamos al eje de zoología, la gente de la cátedra de zoología estuvo trabajando muy arduamente en este tema, y ellos evaluaron la diversidad de artrópodos epigios en lotes en transición agroecológica en diferentes cultivos de cobertura. Ellos también evaluaron la abundancia y la riqueza de artrópodos en un lote, en el SIPA particularmente, y en un lote de un productor agropecuario por fuera del SIPA. Y aquí se ve bien cómo varían los distintos tipos de artrópodos entre los detritívoros, los herbívoros, los predadores y los parasitoides y las hormigas, entre un campo, entre el SIPA, donde había inclusión de cultivos de cobertura y había una rotación mucho más intensa, respecto al productor en la cual no había cultivos de cobertura. La composición específica de las comunidades de artrópodos fue, sin lugar a dudas, diferente. En el SIPA se detectaron mayor abundancia, mayor riqueza y mayor diversidad de artrópodos. Esto es tan solo con la inclusión de cultivos de cobertura y una franja de biodiversidad que no tengo el dato estrictamente, pero a juzgar por lo que veo en el SIPA, no debería exceder el 3, 4, 5% de la superficie de lo que hoy es el SIPA. Si esto lo trasladamos a una superficie de mayor, más grande, sin lugar a duda que no excede un valor muy inferior a lo que les mencioné. Por otro lado, también la cátedra de zoología evaluó los artrópodos y ellos vieron que en plantas, hablemos de plantas específicas, hablemos en el borde de biodiversidad, hablemos de tres especies que están hoy instaladas en el borde de biodiversidad, y ellos evaluaron que hay una preferencia de los insectos por algunas de las especies. Por ejemplo, evaluaron que hay 15,4 individuos en senecio y hay entre 4,3 y 5,6 en las otras especies. A su vez, lo que vieron es que hay muchísimos más enemigos naturales, polinizadores y fitófagos en ese borde de biodiversidad. O sea que las especies que se seleccionaron para instalar en los bordes de biodiversidad fueron realmente efectivas y favorecieron a los enemigos naturales en los bordes de biodiversidad. Esto destaca la importancia del uso de esa pequeña superficie en un lote, en un campo, para tener enemigos naturales de aquellos insectos plaga que nosotros queremos controlar en un sistema agroecológico. Por otro lado, en lo que respecta a malezas, hicimos un muestreo de suelo inicial allá por el año 2018 para ver cuál es nuestro estado base. ¿Qué malezas de base tenemos en el suelo? Y vimos, aquí en este gráfico tuvimos dos muestreos, uno que hicimos en agosto y otro que hicimos en noviembre, y luego pusimos a germinar las semillas en dos momentos diferentes, una germinación de invierno y una germinación de verano, y vimos que la mayor cantidad de semillas siempre se encuentran en los 5 centímetros superficiales del suelo. Predominaron las malezas primavero-estivo-otoñales sobre las otoño-invierno-primaverales. Y la presencia o ausencia de especies pudo asociarse al cultivo antecesor. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El SIPA fue rotando en cómo estaban instalados los tratamientos. El primer año tuvo una orientación norte-sur, que luego fue modificada a una orientación este-oeste, por una cuestión de operatividad y de manejo de la maquinaria y de las labores. Entonces, pudimos observar que la presencia de algunas malezas, luego de cambiada la rotación, tuvo algún impacto de la rotación previa, que fue en diferente dirección. Las malezas que más predominaron fueron equinocloa, lo que nosotros aquí en Argentina denominamos capín, y también tuvimos muchos amaranthus híbridos.
La diferencia entre estas dos especies es que una se vio más observada en un tratamiento, fue más observada en los tratamientos, en estos dos tratamientos que recibieron agroquímicos, mientras que el Amaranthus híbrido tuvo preponderancia en los tratamientos que no recibieron tratamiento químico. Esto tiene un impacto porque son malezas difíciles de controlar, muy problemáticas en nuestro país, y esto sin lugar a dudas nos está aportando un resultado de cuál es el problema y cómo podemos resolverlo, cómo los cultivos de cobertura nos pueden dar una herramienta útil para controlar qué malezas, y los agroquímicos a su vez, a qué nos pueden ayudar y en qué no nos pueden ayudar tanto. También observamos otras malezas, que aquí las cito, pero fueron muy menores a las dos mencionadas anteriormente. Respecto a malezas, también lo que hicimos fue, este es el primer año de monitoreo que hicimos de cultivo de cobertura y de malezas, y lo que pudimos ver es el efecto positivo que tiene cuando ponemos un cultivo de cobertura, como es la biomasa de cultivo de cobertura, respecto a la biomasa aquí de malezas, en verde. Cuando hay una alta cobertura, a la misma vez hay una baja cantidad de malezas. Lo mismo ocurrió, lo mismo ocurrió cuando teníamos trigo, y lo mismo también, por supuesto, ocurrió cuando teníamos un barbecho químico. No tenemos simplemente unas pocas malezas, pero cuando tenemos trigo y cuando tenemos barbecho químico, la baja cantidad de malezas se debe básicamente al uso de agroquímicos y no tanto al uso de un cultivo de cobertura. Y lo que vimos es que cuando tenemos un cultivo de cobertura y tenemos un muy buen control de malezas, esto también se traslada al cultivo estival posterior. Esto depende mucho del manejo que le demos al cultivo de cobertura en cuanto a la terminación, al momento y al tipo de terminación. Pero también vimos un buen efecto sobre el cultivo posterior, el cultivo estival posterior. Y también vimos que esto varió hacia el cultivo de cobertura, es triticale o es vicia. Bueno, ¿cuál fue la evolución del CIPA? Esto que yo le hablaba anteriormente respecto a estos, desde el año 2017 cuando el CIPA comenzó. Al principio teníamos un lote que era de uso ganadero, que se veía con parcelas para uso, un uso de tambo. Y ahí por eso que ahí está con una labor mecánica de uniformación de la superficie y ven todas esas líneas. Esas líneas no tienen nada que ver con el CIPA, simplemente es porque se manejaban por parcelas anteriormente. Luego, en 2017, tuvimos instalado lo que les decía anteriormente, en parcelas de norte a sur, con diferentes cultivos de cobertura, en mezcla. Era realmente una parcelas más chicas y era mucha variedad de tratamientos, que a veces notábamos que no nos conducía a demasiados resultados conclusivos. Entonces, al año siguiente, se decidió cambiar. Aquí también tenemos el cultivo estival del 2018, en la cual todavía veíamos las parcelas de norte a sur. Al siguiente año, empezamos a instalar, el cibol pastoril ya estaba instalado, y las parcelas de oeste a este ya estaban instaladas en los cuatro tratamientos que les comenté anteriormente. Aquí está el barbecho químico, aquí están los bordes de biodiversidad que les mencionaba anteriormente. Ya en diciembre del 2020, del año pasado, ya teníamos el borde de biodiversidad muy, muy bien instalado y muy visible. Y aquí tenemos las dos parcelas con soja aquí, recién sembradas, y aquí también recién sembradas. Y aquí un cultivo de maíz que todavía no se había implantado. Aquí ya es una foto reciente donde vemos esta soja que estaba recientemente cosechada unos días antes, aquí una soja instalada, bien verde todavía, y lo mismo con el cultivo de maíz. Y aquí les hablaba del cultivo del cibol, de la parcela de cibol pastoril que se está reorganizando con el esfuerzo de un grupo de profesores y de estudiantes que está trabajando arduamente en esa tarea. Bueno, ¿qué hemos logrado en el CIPA? Yo ya les comenté algunos resultados que pudimos publicar. Hay muchos más resultados que se han publicado y los pueden buscar en la web, muchos de ellos están disponibles en la web, pero
todo lo que hemos logrado ha sido, digamos, base a prueba y error, en base a lo que nosotros vamos sabiendo, nos vamos dando cuenta, y todo eso que hemos logrado, o gran parte de eso, es reflejado en esta publicación que nosotros consideramos que es nuestro gran logro, porque allí podemos vertir muchas de las cosas y muchas de nuestras experiencias, con prueba y errores, con avances, con retrocesos, pero allí está todo lo que nosotros hemos logrado en este tiempo. Este libro está disponible, es de descarga gratuita, está disponible en la página de la facultad, aún no ha sido presentado, y va a ser oficialmente presentado por la universidad y la facultad el próximo 20 de mayo. Los invito a que se unan, vamos a tener el placer de contar con la presencia de Walter Penge y de Santiago Sarandón para esa oportunidad. Así que los invito a que bajen el libro, lo puedan leer. Ahí tienen mucha información de lo que hemos logrado. Tienen contactos también donde pueden dirigirse para explayarse y para obtener más información. Bueno, les comento un poco más cortamente de lo que se trata del módulo de investigación y demostración agroecológica MIR. No sé cómo voy con los tiempos, Hugo. Me avisás cualquier cosa. Los últimos 3 minutos, Javier. Bien, bueno. El módulo es multiinstitucional, está incluida la UNR, la facultad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una cooperativa y un productor, tiene aproximadamente 27 hectáreas, es agricultura extensiva, con producción bovina también, y es para investigación y demostración. Y está situado en un ámbito rural, a diferencia del CIPA, que estaba en un ámbito periurbano. Tiene 4 tratamientos, un tratamiento actual, digamos, con uso de agroquímicos y cultivos básicamente de verano, y tiene tres niveles de intensificación, en donde el tratamiento 4 es el que nosotros consideramos que está en transición agroecológica con inclusión de bovinos, mientras que el tratamiento 3 es el mismo que el tratamiento 4 sin la inclusión de bovinos en pastoreo. Y el tratamiento 2 es un tratamiento intensificado en donde tratamos de tener el suelo cubierto la mayor cantidad de tiempo y con uso de agroquímicos y fertilizantes inorgánicos. También tiene un foco en suelos, malezas y la rentabilidad, aunque la rentabilidad también estamos logrando obtener los resultados que nos pasa el productor. Tenemos el aporte del productor que valoramos mucho. Similarmente a lo que ha ocurrido con el CIPA, también monitoreamos malezas, biomasa, el suelo, tenemos varios análisis de suelo realizados, infiltración del suelo, hemos evaluado el perfil cultural, tenemos estimaciones de rendimiento y también análisis le hacemos a lo que es fertilizantes y estiércol que aplicamos. ¿Qué hemos logrado en el CIPA? El gran logro del CIPA hoy por hoy es la gestión que hemos podido llevar a cabo. Con firmas de convenio, con solicitud de acreditamiento, el proyecto del MIR está acreditado en la universidad, hemos podido presentar algunos logros de la experiencia, en tanto en el Congreso de Agroecología como en el del SOCRE. Hemos podido aplicar abono orgánico por primera vez el año pasado, pudimos hacer el pastoreo el año pasado y también el rolado de los cultivos de cobertura. Estos son grandes logros, nosotros los consideramos grandes logros, porque son los que nos permiten de aquí en más poder tener información confiable y con rigor científico, que eso es lo que queremos lograr en el largo plazo. Tenemos un grupo de gente muy, muy experimentado, que es muy nutrido en diversidad. Ahora, resumiendo, ¿qué es lo que hemos logrado en el CIPA y en el MIR? Tenemos equipos de trabajo multi e interdisciplinarios, compuestos por docentes, por profesores, por investigadores, por extensionistas, por asesores, por productores, en un amplio rango de edades y representaciones de género. Eso es muy, muy valioso para nosotros y muy importante. Tenemos motivación, confianza y coraje para tomar decisiones. Aquí siempre se requiere tomar decisiones que pueden tener un gran impacto en lo que nosotros estamos generando. Ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos de aquí en más? Necesitamos colaboración con grupos de investigación. En el MIR particularmente necesitamos incorporar gente que esté en la temática de zoología, de insectos.
Necesitamos estudiantes graduados y de grado para incorporarse y poder seguir estudiando las temáticas que allí queremos llevar a cabo. Estamos buscando recursos humanos con experiencia para enriquecer nuestras experiencias. Necesitamos y estamos buscando constantemente compartir las experiencias y los resultados, porque eso es lo que tenemos que hacer como instituciones del ámbito público. Y también necesitamos financiamiento, porque todo lo que hacemos necesita de un financiamiento mínimo, que es muy, siempre muy importante. Bueno, en pocos años hemos logrado, creo, mucho. Llevamos adelante muchas y muy significativas actividades. Y siempre, como digo yo, vamos por más. Estamos en las redes, los invitamos a que nos sigan y siempre ahí tratamos de mantenerlos actualizados y si no, por contacto directo con cualquiera de nosotros, pueden saber lo que estamos haciendo. Les agradezco mucho que primero la invitación y luego que me hayan escuchado. Cualquier pregunta, estamos a su disposición para responderlo. Bien, muchas gracias, Javier. Las preguntas las vamos, pueden, como pusimos en el chat, pueden dejar sus preguntas en el chat y vamos a hacer el ciclo de preguntas al final de las presentaciones. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jean-Roger Estrade de AgroParisTech para que nos cuente su ponencia. Jean-Roger. Está silenciado el micrófono. Il faut ouvrir le micro, Jean. Voilà, j'arrive. Voilà, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Parfait. Si, si. Ok, merci de me donner la parole. Donc, je suis Jean-Roger Estrade et l'exemple que je vais traiter de travaux en agroécologie que nous menons ici à AgroParisTech et plus particulièrement dans le département de cette école qui s'occupe d'agroécologie. L'exemple donc portera sur l'utilisation de plantes de service, de plantes compagnes en culture de colza. Mais avant ça, je vais présenter brièvement ce département hein, qui s'occupe d'agroécologie au sein d'AgroParisTech. Donc le département des sciences et ingénierie pour l'agronomie, la foresterie et l'eau et l'environnement. Donc c'est un département qui traite des questions d'agriculture soutenable et qui aussi s'intéresse à tous les problèmes environnementaux en relation avec l'agriculture, la forêt et plus largement l'aménagement des territoires ruraux. Donc le département comprend 57 enseignants-chercheurs et accompagné d'une équipe administrative et couvre un champ de disciplines assez large. Puisqu'on s'intéresse aux sciences forestières, aux sciences agronomiques et donc à l'agroécologie, mais aussi aux sciences du sol et de l'atmosphère et aux sciences de l'eau. Voilà. Et enfin, nous avons aussi une équipe qui est spécialisée en géomatique. Donc, c'est la caractéristique de ce département d'enseignement, c'est qu'il est très étroitement connecté avec des équipes de recherche. Et donc, apparaît à l'écran ici les principales avec lesquelles nous travaillons et dans lesquelles nos enseignants-chercheurs font leurs recherches. Donc, l'équipe ECOSIS, qui traite des questions de sciences du sol, d'atmosphère, de plantes. L'équipe de télédétection, une unité de recherche aussi sur la forêt. Et puis, l'unité de recherche en agronomie et agroécologie, dont je vais présenter les travaux maintenant. Enfin, on a aussi une équipe de recherche qui est à la frontière entre l'agronomie et les sciences sociales, et qui est l'équipe SAD. Et puis, une équipe de recherche, mais là, qui est délocalisée en Guyane, qui traite les questions de forêt tropicale.
Voilà, donc un département avec un assez large domaine de discipline et donc une équipe d'enseignants-chercheurs tout à fait conséquente. Alors, ce département porte un certain nombre de formations, donc je ne vais pas toutes les décrire, bien sûr, hein, mais juste pour vous donner une idée du panorama des formations qu'on porte, voici quelques masters, donc un master en agronomie et agroécologie, un master en sciences du sol, et puis des masters plus spécialisés en sciences forestières, en géomatique, et même en espace végétalisé urbain, et enfin un master qui traite des questions de changement climatique. Donc ça, c'est le programme de master, et puis il y a une spécificité française, nous avons aussi des cursus d'ingénieurs qui forment des ingénieurs, et donc là encore, avec une série de parcours qui traitent donc des questions d'environnement ruraux, d'écotoxicologie, formation forestière aussi, et puis l'agroécologie à travers un parcours de formation d'ingénieurs dont le titre est « Innovation et performance des systèmes de culture » et qui englobe les systèmes en agroécologie. Et puis enfin, formation plus tournée vers l'environnement. Voilà, donc une présentation brève de ce département et des formations qu'il porte. Donc je vais maintenant présenter, un peu comme mon collègue Crespo, des résultats de recherche. Alors sur un domaine un peu différent, puisque j'ai choisi de parler cet après-midi, c'est de la thématique des plantes de service, cultivos de servicios, et ces plantes de service qui donc accompagnent les plantes et qui recouvrent toute une série qui sont très diverses et qui recouvrent beaucoup de choses différentes. Alors, bon, vous avez ici, parce qu'on m'avait demandé de les faire en anglais, les noms anglais, mais vous reconnaîtrez dans ces noms anglais les plantes de couverture, les plantes compagnes, voilà, les mulches de légumineuses, vivants ou morts. Alors, dans la partie droite de la diapositive, on décrit un petit peu leurs caractéristiques. Ce sont toutes les plantes qui vont être cultivées en même temps qu'une culture de rente, une culture de cash crop, et qui peuvent éventuellement, ces plantes de couverture, plantes de service, plantes compagnes, être un mélange d'espèces qui sont parfois semées sous la culture principale, mais le plus souvent semées pendant la période d'interculture. Et puis, leur caractéristique surtout, c'est que c'est des plantes qui ne sont jamais récoltées. Voilà. Alors, le terme général, ce sont des plantes de service et qui rendent en fait des services écosystémiques, différents types de services sur la structuration des sols, sur le stockage du carbone, sur la fourniture d'azote à la plante de rente, à la culture de rente, des services aussi sur la protection hein, contre les bioagresseurs de différentes sortes. Alors, donc nous allons nous intéresser dans cette formation aux plantes, une catégorie de ces plantes de service qu'on appelle les plantes compagnes. Donc, encore une fois, ce sont des plantes que l'on va installer dans le champ cultivé et qui rendront donc un certain nombre de services, à la fois pour la production de la culture de rente, mais également sur la qualité des sols ou l'environnement. Donc, vous avez à l'écran la définition qu'on retient pour ces plantes compagnes. Donc, voilà, semer avant ou simultanément la culture de rente et qui vont surtout être maintenues de manière à couvrir le sol au moins pendant toute la période de production de la culture de rente. Et puis, des plantes, donc, encore une fois, qui ne sont pas récoltées, mais qui vont nous rendre toute une série de services écosystémiques. C'est le terme consacré maintenant. Et donc, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais on va surtout se focaliser dans la suite de l'exposé. On va surtout s'intéresser aux services rendus par rapport au contrôle des mauvaises herbes et par rapport à la production. Donc, voilà quelques exemples d'espèces végétales qu'on peut utiliser, hein, pour accompagner la plante de la culture de rente. Donc,
La plupart du temps, on va utiliser une légumineuse. Donc, vous avez ici quelques espèces qui sont représentées dans les photos. Voilà, du pois, de la veste, on en a parlé tout à l'heure hein, dans les rotations présentées par M. Crespo. Voilà. Et puis, on a des plantes comme plus particulières, comme la cameline, ou voire même des plantes exotiques comme Gizotia. Et puis, il y a aussi des graminées, hein, des plantes qui ne sont pas des légumineuses, donc, et comme le régras ou la fétuque. Voilà. Alors, dans notre système d'association avec le colza, qui est l'exemple que j'ai retenu ici pour illustrer quelques-uns des travaux qu'on mène sur l'étude de ces systèmes en transition agroécologique. Donc, vous avez un petit peu l'image là du cycle de la culture de colza, qui est la plante de rente que j'ai choisi de traiter ici. Et vous avez donc le calendrier, voilà, c'est le mot que je cherchais, le calendrier de culture de ce colza, avec préalablement à l'installation du colza lui-même, l'installation donc de la couverture vivante à la fin de l'été et à l'automne. Puis on installe le colza qui passe l'hiver, et puis le colza va faire l'essentiel de son développement au printemps avant d'être récolté au début de l'été. Et vous voyez que pendant ce couple entre le colza et la plante compagne, eh bien, la plante compagne va rendre un certain nombre de services. Alors, il y a un premier service par rapport aux bioagresseurs et un certain nombre d'insectes où la plante compagne va aider à perturber les cycles de ces insectes et donc diminuer la pression exercée par ces insectes sur la culture de colza. Surtout, la plante de service va aider à la compétition contre les mauvaises herbes et donc permettre de diminuer fortement l'utilisation d'herbicides chimiques en cette culture de colza. Et enfin, troisième service important rendu par la plante compagne, elle va fournir de l'azote au sol, azote qui sera donc utilisé par le colza, ce qui permettra de diminuer l'utilisation d'engrais azotés de synthèse. Alors, on a, pour tester ces systèmes, tout un réseau d'essais à travers la France, bien sûr dans les zones principales productrices de colza, tout un réseau d'essais dans lequel donc, ce colza est mêlé, avec donc plus spécifiquement, c'est de ça qu'on va parler, des plantes compagnes de type légumineuse. Donc vous avez là quelques exemples de ces légumineuses, lentilles, gesses, pois, vesse. Et donc un réseau d'essais sur lesquels on suit et on fait un nombre important de mesures, que ce soit des mesures sur, un peu hein, de manière analogue à l'essai qui a été présenté par M. Crespo, des mesures sur les mauvaises herbes, des mesures sur le rendement de la culture de colza et des mesures aussi, bien sûr, sur la qualité du sol, et en particulier l'évolution du stock d'azote dans le sol. Alors, voici une petite synthèse des principaux résultats acquis sur ce réseau d'essais. Donc, d'abord, on a mesuré la production de biomasse des plantes compagnes. Ici, dans les slides, le terme CP désigne companion plants, les plantes compagnes du colza. Et donc, on constate que cette production de biomasse par la plante compagne est relativement importante. Et déjà, cette biomasse va permettre de stocker une certaine quantité d'azote, alors suivant les situations dans le réseau d'essais, de 10 à 90 kg d'azote par hectare sont stockés par les plantes compagnes. Et donc, cet azote-là échappe au lessivage hivernal. Et donc, on a ici un gain environnemental en limitant la pollution par les nitrates liée à la culture de colza. Le graphique en bas à gauche est intéressant puisqu'il va montrer
il nous montre pardon, le rendement dans les cultures de colza, le rendement de colza donc, et avec, par comparaison avec un colza cultivé sans plants de compagnie. Donc on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence entre les rendements de colza avec plants de compagnie et les rendements du colza sans plants de compagnie, malgré une fertilisation azotée significativement réduite dans les cultures de colza avec plants de compagne, puisque suivant encore une fois les situations du réseau d'essai, on a à peu près 30 à 40 kg par hectare d'azote de synthèse, d'engrais, économisé grâce à la fixation d'azote par la plante compagne légumineuse. Et puis enfin, dans le graphique en bas à droite de l'écran, on a les résultats obtenus sur les mauvaises herbes et avec une diminution donc, de la biomasse de ces mauvaises herbes qui est, elle a aussi, assez significative avec en moyenne sur le réseau d'essai plus de 38% de réduction de la biomasse de ces mauvaises herbes dans les cultures de colza. On a bien ici le service rendu par la plante compagne de réduire la pression de mauvaises herbes dans la culture de colza. Dans la diapositive suivante, un autre réseau d'essai a été installé où là, le principe est un peu différent. Il ne s'agit pas de seulement étudier les plantes compagnes et de mesurer dans différentes conditions de sol et de climat les services qu'elles rendent. On a vu, hein, services rendus sur l'économie d'azote, services rendus sur le contrôle des mauvaises herbes, et je n'ai pas mentionné les résultats concernant les services rendus sur le contrôle des bioagresseurs. Là, il s'agit plus de tester vraiment la mise au point des itinéraires techniques qui permettent de cultiver un colza avec une plante compagne. Donc, c'est un autre réseau d'essai hein, qui, lui aussi, bien sûr, couvre les principales régions de production du colza en France, donc une diversité de situations en termes de sol et de climat. Et là, dans ces différents lieux, on a testé trois itinéraires techniques, trois manières de cultiver le colza. Donc, vous avez ici l'itinéraire, bien sûr, qui sert de témoin, l'itinéraire de référence, qui est la manière conventionnelle hein, de cultiver le colza en visant un rendement élevé, donc une manière, on va dire, intensive de cultiver le colza, qui est un peu ce qui domine dans les pratiques agricoles françaises encore pour le moment, même si les systèmes agroécologiques prennent de plus en plus de place. Le deuxième au centre du tableau, la deuxième manière de cultiver le colza, c'est avec un faible niveau d'intrants. L'idée étant ici d'accroître le revenu des exploitants agricoles en diminuant au maximum les coûts de production en utilisant donc les plantes compagnes. Et puis, un troisième itinéraire qui non seulement utilise les plantes compagnes, mais va chercher à obtenir les rendements les plus élevés. Et voilà. Et l'objectif de la comparaison de ces trois manières de produire le colza, c'est à la fois de tester la faisabilité technique, mais également de vérifier sur le plan économique lequel de ces trois systèmes est le plus intéressant. Alors, voici quelques résultats présentés en commençant par, sur ce réseau d'essai, les mesures de rendement qui ont été faites. Donc là, dans le graphique de gauche, il faut regarder les points rouges et bleus et observer que avec donc, le système à bas niveau d'intrants, donc point bleu, eh bien, excusez-moi, le graphique compare en abscisse les rendements obtenus avec un colza sans plant de compagne et en ordonnée le résultat obtenu en mélangeant, en introduisant dans le champ cultivé la plante compagne. Donc, si le point est sur la bisectrice, la diagonale du graphique, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux rendements. Si les points sont en dessous de la diagonale, le rendement est meilleur
lorsqu'il n'y a pas de plan de campagne. Il est à l'inverse meilleur si le point est avec plan de campagne, si le point est au-dessus de la diagonale. Donc on constate que les points rouges pour la plupart sont au-dessus de la diagonale, ce qui traduit que dans le système productif avec plan de campagne, on obtient un meilleur rendement que dans le système de référence. Pour les points bleus, c'est un peu plus partagé, mais l'écart de rendement est finalement peu important. Alors le graphique de droite va montrer les résultats de manière en moyennant un petit peu les différentes valeurs. Donc le système, la barre verte du graphique montre le résultat avec le système de référence où le colza est cultivé seul, sans plan de campagne. En bleu, les résultats avec deux types de plans de campagne qui accompagnent donc le colza, mais avec un niveau d'intrant, c'est-à-dire utilisation de produits phytosanitaires, utilisation d'azote réduite. Et puis, en rouge, le système de culture du colza avec plan de campagne, mais une conduite visant les hauts rendements assez intensifs. Donc, on observe que les valeurs rouges montrent un meilleur rendement lorsque, à une conduite intensive du colza, on ajoute une plante de service qui rend des services. Et puis, on observe que dans le système avec plan de campagne, mais en réduisant au maximum, c'est la démarche agroécologique, l'essentiel des intrants, eh bien, on a finalement des pertes très mesurées, très faibles de rendement par rapport au système classique de conduite du colza tout seul. Sur l'impact sur les adventices, il est mesuré dans ces essais en regardant ce qu'on appelle l'indice de fréquence des traitements, c'est-à-dire un indicateur de la quantité de produits phytosanitaires utilisés, et plus précisément la quantité d'herbicides et d'insecticides. Donc, sur la gauche, on rappelle les traitements utilisés dans le système avec plan de campagne et bas niveau d'intrant, où l'on voit que, on utilise quand même à faible dose des herbicides pour contrôler la couverture, la plante campagne donc, et puis un insecticide. Sur le système qui, dans le graphique tout à l'heure, apparaissait en rouge avec des meilleurs rendements hautement productifs avec plante campagne, on utilise un peu moins d'herbicides que dans le système de référence, 1 à 2 herbicides précoces par an. Et par contre, on a une destruction systématique du couvert. Donc, on a dans les deux cas, en moyenne, une légère réduction de la quantité de produits phytosanitaires utilisés. Donc, quand on regarde le graphique à droite, c'est toujours le même principe. En abscisse, la quantité de produits phytosanitaires utilisés lorsque le colza est cultivé sans plan de campagne. Et puis, en ordonnée, la quantité avec la quantité d'herbicides donc, et d'insecticides utilisés dans le colza avec plan de campagne. Donc, on s'aperçoit que quasi systématiquement, les points sont soit sur la bisectrice, soit nettement en dessous, en particulier, et c'est logique, pour le traitement à bas niveau d'intrant. Et donc, on a, grâce à la plante campagne et au service qu'elle va nous rendre, en particulier en luttant contre les mauvaises herbes, eh bien, une diminution assez nette dans un certain nombre de cas d'essais, une diminution assez nette donc, de l'indice de fréquence du traitement, c'est-à-dire d'un indicateur qui tient compte à la fois du nombre de traitements effectués et des doses utilisées. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle une évaluation multicritère de ces différents systèmes, de ces différents systèmes de culture du colza avec plan de campagne, on obtient les graphiques qui sont à l'écran. Donc, à gauche, le système avec plan de campagne et atteinte d'un rendement élevé. C'est le graphique en bas à gauche de l'écran. Et vous avez chaque barre qui correspond à un critère évalué. Donc, en allant de la gauche vers la droite du schéma, le rendement, la marge nette, l'indice de fréquence des traitements, la quantité d'azote
utilisé, le nombre de passages, c'est-à-dire derrière le temps de travail à l'hectare, et la consommation d'énergie. Lorsque, en rouge, lorsque l'effet est négatif comparé à la culture classique du colza, sans plan de campagne, en vert, lorsque l'effet est bon, enfin lorsque le critère est amélioré. Donc, vous voyez que, pour le, comme je le disais tout à l'heure, pour le système avec plan de campagne visant les hauts niveaux de rendement, on a un meilleur rendement. En revanche, on a une marge nette, donc un résultat économique un peu dégradé, un peu plus faible que dans le système de référence. On diminue légèrement de 2%, ce n'est pas énorme, mais un peu quand même, l'utilisation des produits phytosanitaires. Par contre, on a une utilisation un peu plus élevée d'azote, malgré la présence de la légumineuse, parce qu'on cherche un rendement élevé et que l'azote est important pour le rendement. On a un temps de travail un peu plus élevé, parce qu'il faut intégrer dans la culture aussi le temps passé à installer la plante de compagne, la plante de couverture. Et puis, on va consommer, pour la même raison, un tout petit peu plus d'énergie. En revanche, si on passe sur la partie droite du transparent, donc c'est le même graphique avec les mêmes critères évalués, dans le système de culture du colza avec plant de compagne et bas niveau d'intrants, on voit qu'on a un écart de rendement très faible, avec, il est très, très légèrement amélioré d'un pour cent par rapport à la culture de référence. Par contre, on a une amélioration assez nette de la marge, enfin une amélioration de la marge nette assez nette. Voilà. Une diminution très significative, c'est le principe de ce système de l'utilisation des produits phytosanitaires, hein, c'est le critère TFI, indice de fréquence de traitement en anglais. 25% de réduction, un quart de produits phytosanitaires en moins, 15% d'azote économisé, un nombre de passages plus faible lié au fait qu'on va moins apporter d'azote et moins apporter de produits phytosanitaires, donc du temps économisé aussi. Non seulement c'est bon pour la biodiversité, mais c'est également bon pour le temps de travail, et puis une consommation d'énergie fossile plus faible. Donc, si le système fortement productif était, a fourni des rendements plus élevés, eh bien, on a quand même des coûts supplémentaires liés à la plante de compagne, pas trop de réduction au niveau des inputs, des intrants utilisés, et surtout, surtout une rentabilité économique qui n'est pas là. En revanche, le système low input, donc à bas niveau d'intrants, a permis une augmentation assez nette du résultat économique qui s'accompagne d'un moindre impact sur l'environnement. Alors, le dernier point que je veux traiter dans mon dans cet exposé rapidement, c'est que finalement, une fois reconnu que l'on pouvait mettre en place de nouvelles manières de produire du colza, j'ai vu que dans une des transparents de M. Crespo, il y avait un slogan de l'une des institutions qui était « Une autre agriculture est possible ». Donc, si on veut effectivement aller vers une autre agriculture que l'agriculture actuelle, conventionnelle, en introduisant des plants de compagne dans la culture du colza, eh bien, il faut fabriquer, et c'est un des recherches qu'on mène ici à AgroParisTech, il faut pouvoir avoir des outils qui permettent de choisir, en fonction du type de sol, du type de climat, de l'endroit où on est, qui permettent de choisir la bonne plante de compagne. Alors, dans ces travaux-là, hein, on a créé un outil qu'on appelle CAPS, qui est un outil qui va permettre de rassembler toutes les données qu'on a, toutes les connaissances qu'on a sur les différentes espèces candidates pour devenir plants de compagne et accompagner donc le colza, et qui soit un véritable outil d'aide à la décision pour choisir la bonne espèce. Alors, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Donc, en général, on réunit des informations et puis on passe un premier filtre dans lequel on va sélectionner les espèces adaptées aux conditions agro-environnementales. Et puis, ensuite, on a un deuxième filtre qui, lui, tiendra compte des objectifs de l'exploitant agricole, du fermier, par rapport à sa culture. Alors, les outils, pourquoi on a créé un nouvel outil, celui qu'on appelle CAPS,
C'est parce que dans les outils qui existent, eh bien, en général, on ne prend pas en compte un ensemble de services écosystémiques. En général, c'est un seul qui est considéré, par exemple la fourniture d'azote. Et puis, on a peu d'informations sur la manière dont cela fonctionne. Alors, pour vous montrer la démarche qu'on a retenue, j'ai juste pris l'exemple d'un service écosystémique, celui du contrôle des mauvaises herbes, où là, on base l'approche dans notre outil sur l'identification, non pas du nom d'espèce lui-même, mais des traits écologiques. Une approche donc basée sur les traits écologiques. Et donc là, j'ai mis quelques exemples des traits que l'on considère. Donc, quand on regarde ce graphe de la gauche vers la droite, eh bien, le service donc rendu, c'est le contrôle des mauvaises herbes, qui dépend de l'efficacité, bien sûr, avec laquelle la plante de couverture va contrôler les mauvaises herbes. Et puis, il y a plusieurs donc, caractéristiques de cette plante de couverture qui aboutissent à l'efficacité de ce contrôle. Donc déjà, les propriétés allélopathiques, certaines espèces ont des propriétés allélopathiques à l'égard d'un certain nombre de mauvaises herbes. Et ensuite, la compétition. Alors, d'une part, la compétition pour la lumière et aussi la compétition pour l'azote. Et puis, dans les carrés verts du graphe, apparaissent les différents traits écologiques, justement, dont je parlais, qui vont servir à définir l'efficacité de la contrôle de mauvaises herbes, et donc via la compétition par la lumière ou la compétition pour l'azote. Donc, vous avez ici les principaux traits. Donc, bien sûr, la compétition par la lumière va dépendre de la hauteur de la culture, de la forme de la plante, son architecture, de son vitesse de croissance et puis de la surface foliaire ou la biomasse des feuilles. Et puis, pour la compétition pour l'azote, eh bien, les traits impliqués dans notre analyse, c'est là encore la vitesse de croissance qui conditionne une vitesse de prélèvement de l'azote, l'efficacité, l'efficience de la fixation de l'azote et, on va dire, l'appétence de la plante pour l'azote. Il y a des plantes qui vont être plus ou moins aimer l'azote par rapport aux autres éléments minéraux, plus ou moins d'affinité. Alors, deuxième exemple sur un autre service écosystémique, celui de la fertilité du sol, de l'amélioration de la fertilité du sol. Là, c'est un petit peu la même démarche, donc je ne vais pas, puisque le temps passe assez vite, tout commenter. Donc, les traits ici qui sont considérés, hein, ce sont l'efficience de fixation de l'azote, l'architecture de la plante, la sensibilité au gel aussi, qui est importante, puisque ça va déterminer la manière dont, pendant l'hiver, la plante compagne va être détruite et laisser au printemps la place au colza. Voilà. Et ces différents traits, bien sûr, sont influencés par les conditions locales, qui sont des conditions, bien sûr, de sol et de climat, mais aussi des conditions de conduite de la culture. Voilà, en combinant donc toutes ces informations, on obtient une base de données qui définit pour un certain nombre d'espèces. Alors, en l'état actuel d'avancement de l'outil, on a une vingtaine d'espèces de légumineuses qui sont décrites à travers 24 traits dont je viens de vous montrer un certain nombre d'exemples. On combine, ça c'est le principe de fonctionnement de l'outil, on va introduire dans l'outil un certain nombre d'informations sur les caractéristiques du champ dans lequel on veut pratiquer ce nouveau système de culture et des caractéristiques qui vont porter sur le type de sol, le type de climat, le type aussi de mauvaises herbes qui sont présentes. Suivant les endroits, ce ne sont pas les mêmes mauvaises herbes qui sont en compétition avec le colza. Et puis, d'autres grandes caractéristiques du système de culture, comme par exemple le travail du sol qui est pratiqué. Donc, l'outil ensuite va screener la base de données et l'outil va d'abord, sur la base de ces informations, vérifier si le champ cultivé considéré est propice à l'implantation d'une plante d'un colza avec plante de compagne. Ce n'est pas le cas tout à fait partout dans certaines situations, du fait de la pression des mauvaises herbes, du fait de la date de semis. On n'a pas forcément besoin d'installer une plante de compagne, mais il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles
un système avec plan de campagne, et donc on l'a vu juste avant, bas niveau d'intrants, sera économiquement intéressant. Et puis après, donc en fonction de ces informations-là, eh bien l'outil va trier les espèces de candidates pour devenir plan de campagne en fonction de leur capacité à remplir les services qu'on attend, fixation d'azote, lutte contre les mauvaises herbes, et puis il y a d'autres services dont je n'ai pas parlé ici. On obtient un tableau de ce type. Un tableau de ce type qui donne à gauche une liste d'espèces candidates et qu'on croise avec les objectifs de l'agriculteur qui peuvent être de différentes natures. Il y a un certain nombre d'objectifs. Et puis, bien sûr aussi, l'agriculteur va sélectionner alors des objectifs en termes d'objectifs qu'il a pour sa culture de colza, hein, en termes de contraintes que font peser les mauvaises herbes ou en fonction de la place du cycle dans l'année aussi, en fonction des choix techniques qu'il va faire, par exemple, sur la densité de semis. Donc, caractéristiques en termes d'objectifs pour sa conduite de colza, liste d'espèces et ici, donc, les services écosystémiques qui seront rendus ou pas par ces espèces. Et l'outil aboutit à un tri ici, un tri des différentes espèces. Deux en bas sont… il ne faut pas considérer les deux lignes du bas, plus exactement, parce que c'est des mélanges qui ne sont pas été considérés dans ce cas-là. Mais disons que les espèces, on le voit, sont classées en fonction ici de trois services que l'on cherche à rendre. En violet, service par rapport à l'azote. En jaune, service par rapport à l'agression, par rapport aux bioagresseurs des insectes d'automne, que sont les insectes d'automne. Et puis, en vert, régulation des adventices. Voilà. Et on a non seulement d'ailleurs les différentes espèces classées les unes par rapport aux autres, mais aussi la possibilité de regarder ce que donnent des mélanges entre ces espèces. Par exemple, sur la première ligne, vous avez un mélange févrole, vesse et trèfle, voilà, qui est le plus performant, à égalité quand même avec les quatre autres, parmi les plus performants pour rendre les trois services donc mentionnés, encore une fois, fourniture d'azote, contrôle contre les insectes d'automne et contrôle des mauvaises herbes. Voilà, donc on peut trouver des informations, voire même télécharger et utiliser cet outil sur les liens qui apparaissent à l'écran. Ce programme se poursuit à travers un nouveau programme de recherche qu'on a appelé REMIX. Et REMIX parce que la mixture dont il est question là, c'est le mélange d'espèces pour créer des couverts de plants de campagne multispécifiques, mélangeant 3, 4, voire plus d'espèces encore. Et puis aussi, un programme qui va considérer d'autres cultures que le colza seul. Je vous remercie de votre attention. Et puis, sur ce transparent, je remercie aussi l'équipe des enseignants-chercheurs d'AgroParisTech et des chercheurs de l'INRA. Et puis, on s'est associé aussi avec d'autres écoles. Enfin, je ne vais pas lister tous les logos qui sont là. Et puis, j'ai vu que tout à l'heure, on mentionnait les lycées agricoles hein, dans, l'idée de les intégrer au programme ARFAGRI. Et voilà, dans ces réseaux qu'on a mis en place hein, pour comparer les itinéraires techniques ou pour étudier le fonctionnement des systèmes de culture de colza avec plants de campagne, dans ces réseaux-là, donc, qui se répartissent dans toute la France, du moins les régions productrices de colza, eh bien, les lycées agricoles ont été mis à contribution. Et puis, en haut, vous avez les différents chercheurs qui ont chacun leur spécificité. Là, on a un mélange de gens qui sont spécialistes d'agronomie, des gens qui sont, au contraire, plus tournés vers l'écologie et l'étude des insectes et des régulations biologiques au sein du champ cultivé. Voilà, je vous remercie donc de votre attention. Et puis, éventuellement, s'il y a quelques questions, je suis prêt à y répondre. Bueno, muchas gracias, Roger. Muy, muy claro, muy interesante. Y sí, hay algunas preguntas ¿sí? para los dos expositores. Así que yo fui ya ordenándolas un poquito y vamos entonces
para la primera presentación de Javier. Te voy pasando algunas preguntas, Javier, para que des tu respuesta. Dale. Están todas las preguntas en el chat. Rodrigo Burriesa pregunta o plantea que es interesante el concepto de bordes de biodiversidad y pregunta qué especies se cultivan allí o si simplemente se deja el terreno libre. No soy la persona encargada de esos trabajos, pero al menos por lo que charlábamos en nuestras reuniones y eso, lo que sé es que se seleccionan algunas especies y se siembran. Por supuesto que siempre hay plantas espontáneas que vienen, digamos, y que no se controlan. Y lo que también sé es que se estuvo haciendo un pequeño relevamiento y por la zona, digamos, de especies que se consideran benéficas para los bordes de biodiversidad y se multiplicaron y se utilizaron, digamos. Tres de las especies que estoy seguro que estuvieron fueron esas tres que yo nombré ahí. Senecio creo que fue una. Amimajus fue la otra y una tercera que estaba ahí en mi presentación, que no recuerdo ahora. Pero sí, en realidad se siembran las especies. Se espera que en algún momento haya también por ahí un banco de semillas propicio para que no se necesite la siembra. Pero eso depende también de un montón de factores que seguramente la gente de zoología lo está considerando respecto a superficie y las especies en sí mismas, ¿no? Bien. Ailén Federico te pregunta en relación al plan experimental que usan como repeticiones, ¿por qué las franjas de biodiversidad no bordean cada una de las parcelas? Bueno, en realidad, dentro de los diseños experimentales que uno podría tener, es innumerable la cantidad de diseños. Uno tiene que evaluar pros y contras de cada uno. Elegimos un diseño en franjas, pero para ambos experimentos de los cuales que presenté, pero dentro de cada franja hay parcelas donde se toman estrictamente donde se hacen los muestreos, cualquiera fuesen los muestreos, digamos. Están divididos en tres o cuatro zonas, y en cada una de ellas se concentran los muestreos, y las repeticiones vendrían a ser cada una de esas tres o cuatro parcelas dentro de cada tratamiento. Y luego la pregunta de bordes de biodiversidad. Bueno, como yo explicaba en la presentación, fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha de nuestros propios errores. Eso hizo primero instalar los bordes de biodiversidad sobre uno de los laterales, luego ampliamos a todo el borde del experimento, y luego incluimos la separación entre lo que era el tratamiento testigo y el resto de los tratamientos. El por qué incluir o no incluir dentro de los tratamientos con cultivo de cobertura, creo... Honestamente no tengo la razón, una explicación lógica, pero sí lo que puedo intuir es que cuanto más borde de biodiversidad incluimos, más le estamos quitando espacio a los tratamientos y la superficie que tenemos es limitada. Por supuesto que cuanto podemos instalar un borde más grande, siempre es más beneficioso, pero en términos prácticos, darle espacio a uno va en detrimento de lo otro. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a un consenso interno entre los integrantes del equipo de trabajo y decir, bueno, hasta acá podemos avanzar y hasta acá no. Entonces, de ahí que la limitante es el espacio, básicamente. Bien. Cristian pregunta si solo se ha utilizado rolo, ¿y cuál fue el motivo de la elección de esa herramienta y no una desmalezadora, por ejemplo? Bueno, el rolo
En la facultad tenemos un rolo propio, digamos, en el cual disponemos en cualquier momento. La desmalezada puede ser una ventaja en ciertos casos y en otros casos no tanto. Uno tiene que evaluar condición del suelo, condición del clima y tratar de elegir la mejor herramienta que tenga. En el caso de la desmalezada, consideramos que el desmalezado lo que hace básicamente es cortar la planta y dejarla libre, dejarla suelta. Entonces, ante días de mucho viento, esa cobertura la puede mover, digamos. En cambio, el rolo lo que hace es aplastar, mellar la planta, la deja volteada, pero anclada al suelo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero entre las ventajas es que la probabilidad de que se pueda volar la cobertura es muy, muy poca. Aun cuando la planta quede anclada y tengamos alguna posibilidad de rebrote. Entonces, tratamos de elegir el mejor método en función de las condiciones que esperamos para el clima, suelo y bueno, también la disponibilidad de la maquinaria a veces. Bien. Otra pregunta, de Fernando, dice que en las franjas que se realizan cultivos de cobertura, si se aplica herbicida para la implantación de esos cultivos de cobertura. Hasta ahora, hasta el momento, hasta hoy, en ninguno de los dos experimentos que mostré utilizamos agroquímicos para instalar los cultivos de cobertura. Por supuesto que es una medida a rever, porque no siempre eso nos ha funcionado bien. Para la implantación de un cultivo de cobertura, tenemos que tener muy en cuenta el tema de qué especie vamos a implantar, pero también la fecha probable de implantación. Y la fecha de siembra del cultivo de cobertura. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, que son muchos y peligrosos en algún punto, digamos, en cuanto a la fecha principalmente, es si utilizamos o no herbicidas. Son distintas situaciones los dos experimentos que mostré. Uno es periurbano, estamos muy limitados con el uso de agroquímicos, el otro es rural. Estamos un poco más, tenemos alguna posibilidad mayor de aplicar algún agroquímico, pero tendemos a no aplicarlos, digamos. El tender a no aplicarlos también nos trae algunos dolores de cabeza y nos hace ir un poquito marcha atrás y rever la situación. Pero intentamos no utilizarlos. Tenemos resultados dispares y eso, bueno, es parte de la prueba y error que estamos siguiendo para avanzar en el conocimiento. Bien, y la última, ¿cómo preparan los biofertilizantes para cereales? Actualmente no estamos utilizando biofertilizantes. En el SIPA no se han utilizado. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con fertilizantes sintéticos en el tratamiento que lo permite o en el caso de la vicia, la utilizamos como un cultivo que nos aporte nitrógeno. Y no tenemos fertilización extra. En el caso del MID, el módulo que está en Entre Ríos, hemos utilizado el estiércol de pollo, o de gallina, perdón, de gallina ponedora, que es un insumo que hay mucho en la zona de Gallinaza, ahí me aclaran, que hay mucho en la provincia y que el establecimiento agrícola donde tenemos instalado el módulo, es bastante diversificado y tiene algunos galpones. Con gallina ponedora. Entonces nos provee, aun cuando ellos no nos puedan abastecer de toda la cantidad necesaria, digamos, consideran siempre traerlo de afuera y no tiene más que un compostaje común y normal para el uso del estiércol de gallina, digamos. No tiene más que eso. Recién lo pudimos incorporar el año pasado en los tratamientos en el 3 y en el 4. Así que bueno, esa es más o menos la lógica. Bueno, muchas gracias, Javier. De nada. Vamos a algunas preguntas también para Jean Rager. La primera de Fernando Salvayotti pregunta si se cuantificó el aporte de la fijación biológica de nitrógeno de las plantas compañeras o es solo nitrógeno absorbido residual del suelo.
Este nitrógeno adicional aportado por la planta compañera es aprovechada por la colza del mismo año o en los años siguientes. Oui, c'est une des principales questions qui sont posées dans ces systèmes. Est-ce qu'on a une utilisation la même année et une utilisation l'année d'après? Alors, je vais répondre les deux. Donc, certes, on a une accumulation dans le sol qu'il ne faut pas perdre par le lessivage et qui pourra être utilisée par la plante suivante. Mais en cours de culture, on a aussi une fourniture d'azote au colza simultanément à l'activité de fixation de la plante compagne. Alors, je ne peux pas trop donner les valeurs, mais parce que c'est très variable d'une situation à l'autre. Mais en moyenne, vous l'avez vu, dans le premier réseau d'essai, celui qui évaluait le fonctionnement des systèmes, eh bien, suivant les cas, on a l'ordre de grandeur de ce qu'on économise en engrais de synthèse, c'est 30 à 40 kg d'azote par l'engrais de synthèse. Ça ne paraît pas énorme, mais multiplié par toutes les surfaces de colza, cela fait quand même une quantité significative d'engrais azotés économisés. Et donc, une réduction aussi de l'impact environnemental, parce que ces 30 à 40 kg d'azote économisés, et ben, on ne les retrouve pas dans les rivières, les lacs ou les bords de mer. Voilà. Ah, j'entends plus. No sé si volví, se me desconectó por un segundo la conexión. De acuerdo. Bien. Lucas Landi pregunta que no vio datos de abundancia y diversidad de polinizadores en colza. Y bueno, la pregunta es si se pudo medir alguna variable asociada a esto. Especialmente sabiendo que los polinizadores están asociados con el rendimiento del cultivo. Bien. D'accord. Alors, donc, je n'avais pas le temps de tout traiter, mais comme je l'ai mentionné, cette question de l'impact de la plante compagne sur les bioagresseurs, elle est attentivement regardée dans le réseau d'essai. Alors, je n'ai pas en tête les résultats exacts, mais il y a un double effet. Et ça fait partie d'ailleurs des critères de choix des plantes compagnes. Il y a d'une part le fait qu'elles attirent des auxiliaires qui permettent de lutter contre les bioagresseurs, et d'autre part le fait qu'elles repoussent un certain nombre de bioagresseurs pour différents motifs. Voilà, on s'est aperçu que certaines plantes repoussaient certains bioagresseurs. Et donc sur ce double effet, c'est ce qui explique que l'IFT, là, on m'a demandé ce que c'était que l'IFT, c'est-à-dire c'est cet indice qu'on utilise qui tient compte à la fois du nombre de traitements qui est fait et de la dose appliquée. Ainsi, un passage à pleine dose a la même valeur d'IFT que deux passages à demi-dose. Donc voilà, je vais faire la parenthèse. Et donc du coup, on a bien observé dans les systèmes à bas niveau d'intrants qu'on arrivait à contrôler correctement les bioagresseurs avec un indice de fréquence de traitement, donc un indicateur du nombre de traitements combiné avec les doses, plus faible. Donc ça marche. C'est la bonne nouvelle. Bien. Otra pregunta también es si se estudió el cambio de la microbiología del suelo. Non, dans ces essais-là, on n'est pas allé jusque-là, parce que c'est essentiellement pour des questions financières, c'est très cher. Mais bon, il y a d'autres études quand même qui montrent d'autres projets dans lesquels on montre que le fait d'avoir deux espèces avec chacune des spécificités de leur rhizosphère, deux espèces donc présentes en même temps dans le champ, eh bien, accroît peut-être pas la quantité totale de biomasse microbienne, mais la diversité des espèces microbiennes, et ça, c'est très important. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, excusez-moi, en espagnol, mais j'ai réussi à comprendre, qui porte sur la question de la gestion de l'eau. Donc, on me demande si on a regardé si l'eau, il y en avait assez
pour faire pousser l'ensemble, puisque la plante compagne va elle aussi consommer de l'eau. Hein. Donc, bon, la réponse, c'est que bon, d'abord, les régions dans lesquelles, en France métropolitaine, on cultive le colza, sont quand même plutôt des régions où le déficit hydrique n'est pas très marqué. Donc, il y a quand même une pluviométrie assez importante qui permet d'assurer une réserve en eau pour la culture de colza qui couvre. Après, c'est sûr que la sensibilité de l'association par rapport au déficit hydrique, donc à la sécheresse, la sensibilité donc est accrue. Donc c'est vrai que c'est un problème dont il faut tenir compte, et c'est peut-être un défaut du système que j'aurais dû mentionner. Mais encore une fois, dans les régions productrices de colza, le déficit, c'est pas des régions sèches, quoi. C'est des régions de climat atlantique qui sont assez bien arrosées. Alors après, la question du changement climatique risque d'accentuer la pression de sécheresse, et il faudra y réfléchir. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas, pero que ya han sido medianamente respondidas también, porque hablan de actividad biológica en el suelo, de grupos funcionales de microorganismos y ciclo de nutrientes. Estamos 10 minutos pasado del tiempo previsto para la actividad, entonces yo les agradezco en nombre del programa a los dos expositores y les comento que como la conferencia ambas fueron grabadas, se van a remitir por YouTube el link de acceso para que puedan volverse a ver o para que se compartan con quienes están interesados. Y finalmente, invitarlos, que ya está prevista y hay fecha para el próximo seminario, que será el día 8 de junio, componentes de ponencias, de Agrocampus UES sobre el tema de manejo agroecológico de los cultivos asociados en huertas. Con esto entonces cerraríamos esta actividad. Agradecerle nuevamente a Javier y a Jean Roger, y los esperamos entonces en la próxima conferencia el día 8 de junio. Ya va a ser difundida y van también a tener, están preguntando cómo nos informamos de la próxima conferencia. Bueno, vamos a difundir de la misma manera que se difundió esta, vamos a mandar las invitaciones para poder acceder a las conferencias. Otra vez, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci a tous. Merci François. Merci.